Quand c'est que t'as passé ta vie pliée en deux sur un prélat? T'as beau te frotter les joues avec du linéman, t'achèveras tes jours pliés en quatre. Lorraine Côté interprète le rôle de la Sagouine au Théâtre du Trident. Après avoir été jouée plus de 2000 fois par Viola Légère, c'est au tour de la comédienne québécoise de donner vie au personnage qui fêtera ses 50 ans en 2021. J'ai trouvé qu'elle avait très bien fait ça. J'ai vraiment été agréablement surprise. Oui. Parce que c'est pas facile à chausser les souliers de Viola. Ça faisait longtemps qu'on avait vu une belle pièce comme ça. Tout ce que je pouvions y dire au recensement, c'est que je pêchons pour vendre, je vendons pour acheter, et puis j'achetons pour nous mettre de quoi dans le ventre. Et puis au bout de l'année, j'avons pas plus de poissons dans l'estomac que j'en avons pêché dans la baie. C'est comme ça, l'économie chez nous. Lorraine Côté est touchante et livre avec conviction ce texte percutant, dans lequel sont abordés de grands thèmes tels que la quête identitaire, la mort et la famille. Il s'agit d'un solo bien connu d'Antonine Maillet. L'auteur a d'ailleurs accompagné l'équipe de Québec dans la création du spectacle. Belle soirée, c'est agréable et c'est bien organisé. On est en sécurité. La Sagouine, dans une mise en scène de Patrick Ouellette, est présentée au Théâtre du Trident jusqu'au 18 octobre. 130 personnes peuvent assister à chacune des représentations. Je finirai par aller voir le docteur. Puis tant qu'à y aller, j'irai voir le meilleur, un spécialiste pour le ventre. Le gros du mal vient tout le temps de là, pour venir au monde comme pour mourir. Et c'est pas long entre les deux. Ici Claudia Genel, Radio-Canada, Québec.